Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour faire une nouvelle vidéo sur One Piece to the Storm. Donc ça y est, l'événement avec catégorie, l'event avec catégorie et carotte, c'est terminé. J'espère que vous avez bien fait votre classement. Franchement, c'était un peu plus dur. Bon, heureusement, j'ai pas atteint en dessous des 10 000. Il me semble qu'il fallait quand même atteindre en dessous des 10 000 pour au moins avoir au moins 30 pièces arc-en-ciel. Mais heureusement, je les ai pas atteints. Pourtant, j'ai fait beaucoup de fois le truc, hein, mais voilà, j'ai pas atteint en dessous des 10 000. Donc, il me semble qu'il fallait quand même atteindre en dessous des 10 000 pour au moins avoir 30 pièces en plus. Malheureusement, je les ai pas eu. Donc, tant pis. On va voir. Donc, les récompenses seront. Il faudra quand même une grosse semaine hein, avant d'avoir les récompenses. Quoi, j'ai tenté tout. Le tout pour le tout, mais. Donc, voilà. Donc, on est parti. Donc, il y a des nouveaux PUL qui sont arrivés. Donc, du coup, est-ce que, voilà, est-ce que la question se pose plus maintenant? Est-ce que maintenant, toutes les semaines, on aura des PUL qui sera offert, enfin, qui sera directement mis en avant? Voilà, donc, deux nouvelles PUL de Nami et de Vivi. Donc, voilà, est-ce que maintenant, chaque semaine, on aura deux nouvelles PUL? Forcément, moi, mon conseil, même si le jeu va proposer quand même pas mal de SPUL dans le jeu, moi, je vous conseille quand même de faire gaffe. Donc moi, j'ai un petit peu quand même invoqué sur le catégorie. J'ai eu sa SPUL, donc assez content. Et moi, je vous conseille quand même si le jeu va proposer comme chaque semaine des SPUL, forcément, ça va nous attirer quand même. Donc moi je vous conseille de faire gaffe. Écoliser pour le mois de juin. Je sais que ça va être un petit peu dur, ça va être un petit peu chiant. Mais il faudra patienter un petit peu. Vraiment, moi je vous conseille d'attendre le mois de juin. Voilà. Au mois de juin, il y aura un nouveau festival. Donc moi je vous conseille quand même d'attendre un petit peu. Même si je sais que chaque semaine vous proposez forcément chaque UL. Chaque UL, forcément, ça va nous attirer un petit peu. Et moi, je vous conseille vraiment de petit à petit à écouter. Tant pis, quitte à passer pas mal de portails. Hein. Moi, je vous conseille d'écoliser. Vraiment, jusqu'au mois de juin. Voilà. Donc, on est parti. Donc, donc je suppose qu'est-ce que c'est définitif. Que chaque semaine, il y aura quand même une SPUL. Quand même une SPUL de chacun. Où il y aura quand même de temps en temps des ex. Ou pas. Donc, moi je vous dis vraiment, mon conseil est vraiment écœuré pour ce qu'on m'a joué. Tant pis qu'il t'a. De toute façon, j'imagine qu'ils auront quand même une multi de ces personnages. Donc, voilà, s'ils auront une multi, faites que la multi. Si vous l'avez pas, ben vraiment, forcez pas quoi. C'est dans un mois. Hein. C'est moins d'un mois. Donc, mon conseil, c'est de pas te forcer, de pas forcer sur le portail. Vraiment, sur aucun portail qui va arriver aussi, hein, forcément. Donc, chaque semaine, il y aura des nouveaux personnages, mais j'imagine que chaque personnage aura une UL. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment, juste 10 minutes, je vais relancer, mon avis, le problème de prédiction. Je relance comme ça.
Voilà, moi c'est mon conseil, hein, vraiment en premier, mais essaye de faire attention avec vos pièces. Je dis, il y aura forcément des personnes qui vont nous attirer avec l'aspect UL. Mais moi en premier, moi je vous conseille quand même de faire gaffe un petit peu. Et écoutez jusqu'au mois de juin. Moi c'est mon conseil, hein. C'est bon, il est lancé. Donc voilà. Vous pouvez aussi offrir des personnages. Moi je l'ai déjà là, l'ami. C'est l'ami de. Avec Big Bomb. Hein, et Vivi. Je sais pas si Vivi c'est une nouvelle. Oui, je pense pas. Elle, un ami, je l'avais déjà. Ah, il y a toujours l'événement avec Ok. Voilà. C'est la section. Donc, ce qui est bien, je pense qu'il y a moyen de récupérer peut-être une spé UL. Donc, si, il y a moyen quand même de récupérer. Parce que c'est la spé UL. Hein. Voilà, il y a quand même moyen de récupérer un doublon. Aspect UL de ces deux-là. Voilà. Il y a encore moyen de récupérer l'aspect, donc il faut les monter. La mission, il faut. Dans les missions, il faut monter les compétences. Jusque SP 5, jusque SP 10. Dans l'émission, il faut augmenter les compétences, simplement. Voilà. Sinon, il faudra utiliser trois fois les personnages, tout simplement. Pas de compliqué. Donc voilà, on va parler des SP. Désolé. Donc, je suppose que, comme d'habitude, il y a une outil gratuite. Hein. Là, c'est notre quotidien. Donc, il y aura des animaux à farmer, j'imagine. Il y aura une mission spéciale pour on pourra farmer des animaux. Je sais pas comment on va se présenter. C'est pour pouvoir monter les SP en UL. Hein, ça va. Comment ça va se présenter, qu'il y a moyen de farmer les animaux en SPUL, enfin, pour battre les SPUL en 8 étoiles. Ok. Alors maintenant c'est multi à 5. Avant on aura du multi, non, c'est multi à 5. On va dire que ça revient à la normale. Hein.
bon, ça revient à la normale. Ah bah oui, il y aura peut-être une maintenance de 1 heure à 5 heures du matin. C'est dans la soirée. Peut-être qu'il y aura une maintenance. Donc dans l'esprit, présentation d'esprit, pardon. Donc, l'aspect de l'ennemi, forcément. Donc, une fois lancé, c'est 400 000 ou 100 de dégâts, 280 en spé. Donc, 6 spé en zone, normalement. Voilà. Donc, ça, c'est une spé en zone, quand même. Après, c'est une spé qui fait beaucoup de dégâts. Qui diminue la défense, diminue peut-être la précision aussi avec. Et forcément, on a mis Vivi avec son soin. Bon, les soins, c'est je sais pas si on avait peut-être que qui a un boost pour chaque élément, j'ai l'impression, pour les forces, pour les pour le violet, j'ai l'impression. Bon, à mon avis, les soins, c'est compliqué à savoir si c'est bien de l'avoir en spirituel. À mon avis, l'avantage à avoir, je pense que l'avantage d'avoir les soins. Parce que, il faut pas forcément faut pas forcément les monter. Parce que leur but, c'est quand même de soigner, généralement. Si vous avez un exemplaire, c'est quand même cool, hein. Je pense pas qu'il faut les monter à 100%. Mais au moins les avoir une fois. Après, forcément, des compétences, nouvelles compétences. Compétences de soi, même ça, qu'elle avait déjà. Cette compétence. Pourquoi j'ai pas vu une nouvelle en moins que. En tout cas, si vous avez besoin de soigneur, c'est le moment. Normalement, on pouvait l'avoir via les tickets, via le ticket avec un spédiste de ses soins. Donc, c'est vrai que si vous l'avez acheté, la version Dext en soins, je vous dis, tout ce qui est SP en soins, c'est compliqué de savoir si vous voulez avoir des nouvelles ou. Parce que vu que ça fait que soigner. Si vous avez l'ex en soin, si vous avez acheté l'ex en soin avec les tickets, à mon avis, en fait, il faut forcer vraiment pour l'avoir. Donc, on va tenter, impossible, on va voir les deux drops pour voir. Vu que je vous dis, c'était des 5 ans. Ok, 1,2. Sinon, il n'y a que des bonus. Il y a quand même des SP ex quand même. Comme des ex. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Des ex. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Faut choper quelque chose dans ce genre de truc. C'est rare, donc quoi. Est-ce qu'on va tenter l'impossible? Donc, forcément, si vous la chopez, sera aussi à 5, forcément. Moi, je vous conseille 2 AP. Hein. Si vous arrivez à choper une des deux, une des deux SPUL.
Bah, je n'y crois pas du tout. Oh, ce qui est l'espérance de vie. Pas de chance. J'ai déjà fait 10. Ok. Donc rien du tout. Juste une expérience moi de vie. Donc voilà. Donc il y a un palier forcément. Il y a d'autres parfois, si j'en parle pas, c'est que ce n'est pas forcément intéressant. Même si ça vous garantit un 5 étoiles. Donc voilà. Voilà, donc. Changer les personnes. Vivine, je pense que c'était celle-là. Vous voyez. Quelques cartes bonus, faudrait que je les monte, pas mal. Quelques cartes bonus, mais pour bien, c'est quoi? Sont allés là en tout cas bonus, hein. Donc voilà. C'était une vidéo sur One Piece de Deathstorm. Donc c'est. Donc on revient à la normale. Hein, donc faut qu'on essaie de les farmer forcément. Vous pouvez quand même récupérer une SPUL hein, dans ce événement. Bon. Le truc, il faut augmenter les SP, les compétences simplement. Jusqu'au SP 10. Là, rien de plus. Vous augmentez les SP. Voilà. Donc moi, mon conseil, vraiment, faites gaffe. Pour moi, écosez jusqu'en juin. Moi, ce que je vais faire, hein, vraiment. Tant pis ainsi. Pour ça, ils vont proposer vraiment des groupes. Donc, est-ce que chaque semaine il y aura des SPUL pour chaque personnage? Maintenant, on sait que peut-être il y aura souvent. Donc, moi mon conseil vraiment, moi je arrive bientôt. Donc, forcément, tous les SPUL vont forcément nous attirer. Mais moi, je vous conseille vraiment de faire attention et que c'est jusqu'au mois de juin, c'est dans même pas un mois. Donc voilà, mon conseil, essayez de zapper quelques portails pour les fins de mois. Donc moi c'est mon conseil, moi ce que je vais faire. Donc l'objectif,
Si. Et que jusqu'au mois de juin pour le festival. Donc, ouais. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez ce que vous avez reçu. Donc, moi, mon conseil, si vous la chopez sur la boutique à 5 gratos, vous zappez, quoi. Hein? Donc, ouais. Ne forcez pas. Aussi, avant d'avoir un exemplaire de ce sont des événements, contentez-vous de cela pour l'instant, quoi. Franchement, contentez-vous de cela pour l'instant. Je pense pas qu'il faut forcer sur le portail. Donc voilà. Pouce bleu, commentez. Et abonnez-vous pour remonter des prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.